parce que MA carré moins MB carré est positif. Donc MA est plus grand que MB. MA plus grand que MB, donc M est situé à droite de la médiatrice. Je projette en H, O est le milieu de AB, et nous avons OH égale 3. OH égale 3. Donc H est un point fixe puisque OH vaut 3. Quel est l'ensemble des points M? Eh bien, c'est la droite D. Tous les points M sont distribués sur la droite D, perpendiculaire en H à AB. Et voilà le problème résolu, à condition bien sûr que OH soit égal à 3. Si vous voulez que je respecte le dessin, nous avons AB égale 2. Alors, AB égale 2. Donc, OA égale 1, OB égale 1. Et OH égale 3, où est vraiment le point H? 1, 2 et 3. Donc, voilà la vraie position de H. Quelle est la position de la droite D perpendiculaire en H? Eh bien, la voilà. Et c'est elle qui est l'ensemble des points M. Pourquoi? Parce que la projection de M sur l'axe AB, orienté de A vers B, c'est un point H qui est fixe, puisque OH est égal à 3. Donc H est fixe, donc tous les points M sont sur la droite D, perpendiculaire en H à la droite AB. Et voilà. Donc, pas mal d'exercices sur le produit scalaire. Alors, le prochain cours, ce sera le chapitre sur les statistiques, en particulier sur la variance et l'écart-type. Alors, je vous dis à bientôt, à la prochaine séance. Merci.